Il y a 60 ans, le 26 février 1951, 22 intellectuels albanais ont été exécutés par le régime communiste sous l'accusation d'avoir déposé un engin explosif à l'ambassade soviétique à Tirana. Sans jamais se soumettre à un procès judiciaire, ils ont été exécutés à minuit, à proximité du pont de Beshiri, à quelques 15 km de Tirana, enchaînés à l'un l'autre et enterrés dans une fosse commune. La dictature communiste avait fabriqué, selon son propre style, la soi-disant bombe pour justifier une nouvelle vague de terreur contre les intellectuels, lesquels on ne pourrait les reprocher que d'une seule faute, leur patriotisme, leur anticommunisme et leur formation dans les pays développés de l'Occident. Le prétexte absurde sur l'incident de la bombe à l'enceinte de l'ambassade soviétique était lié au détour politique du dictateur Enver Hoxha vers la politique de Moscou. Le Parlement albanais a tenu jeudi une séance de commémoration des 22 intellectuels en présence de leurs familles et de leurs proches. La présidente du Parlement a transmis le message que la violence inhumaine et irresponsable ne doit plus se produire. Sot nderojmë 22 burra e gra të pushkatuar pa gjyq, tamam 60 vite më parë nga diktatura e egër komuniste. On est là pour honorer ces hommes exécutés il y a 60 ans et pour commémorer le février du 1991 qui a fait de l'Albanie le pays qui est aujourd'hui un membre de l'OTAN. Le jour de la mémoire nous fait appel à condamner les crimes violents de la dictature. Le jour de la mémoire nous rappelle à condamner toutes sortes de violences et tous ceux qui incitent à la violence et à la haine. Monsieur Topali a dit par ailleurs qu'une partie mineure du passé a été recyclée sans pourtant passer par un filtre culturel et spirituel. Cette partie du passé poursuit à attaquer violemment le système par les mêmes méthodes du régime d'hier. La réponse a été donnée par les Albanais qui, en 96% d'eux, veulent une Albanie européenne, a-t-elle précisé. Ensuite, une minute de silence a été observée en l'honneur de ces 22 intellectuels innocents et de toutes les victimes du communisme.